comment a été faite la macaronade. Vers la fin du 18e, 19e siècle, les Italiens sont venus pour pêcher naturellement, étant donné que chez eux, c'était pas très riche. Ils se réunissaient sur le quai, à l'heure actuelle, Maxime Liciardi, où là, ils discutaient un petit peu entre eux. Les Sétois commençaient à s'intéresser à ce que mangeaient les Italiens. Que manges-tu oggi? Qu'est-ce que tu manges toi aujourd'hui? Macaroni. Et voilà comment la macaronade est devenue macaronade. Tous les dimanches, c'était un petit peu comme la poule au pot. On mangeait la macaronade, soit dans les baraquettes en Saint-Clair, soit au bord de la mer, à la corniche. Vous savez ce qu'on met dans la macaronade? On met la brajole, comme l'on dit, le cochon, la saucisse. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est toujours la cuisson de la sauce. Alors la macaronade, maintenant, toute la ville de Sète en fait, y compris aux extérieurs. Champion du monde de la macaronade, il n'y en a pas beaucoup dans un concours. Mais à la maison, nous avons tous des champions du monde. La cousine, l'oncle ou le neveu la fait toujours mieux. Donc voilà le championnat du monde. Champion du monde, c'est tout le monde. Chacun l'a fait à sa façon et avec le cœur.